Bon, laissez-moi vous expliquer la situation, ok. Moi, quand j'étais petit, ok, quand j'étais un petit gars, ok, toutes les fucking kids, ok, ils rentraient chez eux, puis ils jouaient à fucking Call of Duty, ou à fucking League of Legends, bro. Moi, je jouais à un vrai jeu de bonhomme, bro. Moi, j'étais là, je rentrais chez moi, bra bra, je faisais, je mangeais, je faisais les bails, je faisais mes devoirs et tout. Il dirait que j'allais sur Total War Medieval 2, bro, le meilleur jeu de gestion. Bro, ce jeu-là, ok, tu vas pull up comme ça, ok. Tu vas avoir grind ta race, ok. Tu vas recruter des fucking troupes, genre oui, intense, bro. T'auras mis le temps, l'énergie, l'argent et tout, bro. Tu vas arriver dans ta première bataille, tout va bien aller, bro. Tu vas garder les ennemis en siege pendant genre 8 tours, bro. Ils vont sortir de leur village. Tu vas arriver avec tes archers, ta cavalerie, bref, tu vas les éclater. Les puis là, tu vas pull up dans ta deuxième bataille, ok. Parce que Mio, Miskin, tu te crois, t'as un peu tes cycles. T'es là, t'as un peu le courage, tu vois. Tu vas pull up dans ta deuxième bataille, bro. Là, ils vont brûler ton bail de siege. Là, ils vont te brûler. T'es là, t'es comme une merde, bro. Ensuite, tes troupes, ils vont se faire tirer des flèches dessus par les archers ennemis, les bro. Fucking jeu de merde, bro. Ce jeu-là, bro. Et on a 15 gars qui sont en train de leur tirer dessus. On a 15 gars qui sont en train de leur tirer dessus. Et oh les gars, arrêtez. Et oh les gars, arrêtez. Ça fait 30 minutes que je suis dans cette bataille. S'il vous plaît, les gars, arrêtez, niaisez, visez. Et là, tu vas pour là, tu vas te dire, yo, je vais essayer de persévérer, bro. Puis au bout de fucking 40 minutes de bataille, le timer est venant, puis tu viens de perdre la bataille, bro. Tourner en notre faveur. Est-ce là les ombres s'allongent? Nous avons été vaincus non par l'ennemi, mais par le temps. Fuck sur ce fucking jeu de merde, bro. J'ai perdu tellement de temps sur ce jeu, yo. Pendant que toutes les fucking bad bitches étaient en train de jouer à fucking League of Legends, bro. Moi, j'étais là sur ce vieux jeu d'obèse, là. Vas-y, nique sa mère. Tu sais quoi, c'est pas trop tard, bro. On va jouer à un vrai jeu de gestion, là, vous allez voir. Ok, so Papa's Burgeria, ça, c'est un vrai jeu de gestion, là. Ça, c'est un jeu, il a été développé par EA. Et créé par DICE, et eux qui ont fait le Battlefield. En fait, ça, à la base, c'était censé être Battlefield 6, mais, tu sais, avec les... Il y a eu des problèmes au niveau de la gestion, tu vois. Alors, en fait, il est très important de donner un nom très, très bon à votre restaurant, parce que c'est ça qui va les permettre. Les clients, ils vont venir dans votre restaurant, puis ils vont voir des noms, tu sais, puis il faut que votre nom, il soit reconnaissable. On va aussi prendre mon boy Papa Louis, parce que lui, c'est le vrai OG. C'est le gars, là, il fait des burgers depuis qu'il est petit, tu vois. Il est en train de grind, il est sur SoundCloud, bro, il fait les burgers et tout, il est là. Ok, bro. Oh, shit, qui ce gars-là, bro? Qu'est-ce que là, bro? On a Albert Einstein dans le bâtiment, bro. Il veut du jazz, bro. Le beau, il veut du speed dans son sandwich, bro. Attends, bro. Attends. On va le mettre bien, bro. Ok, donc ça, c'est comment faire un burger, comment le monter. Ça, c'est un tutoriel approuvé par McDonald's Canada. Alors, d'abord, il faut mettre le pain, ensuite la viande, ok, que vous aurez cuit équitablement. Ensuite, vous allez mettre un peu de mayo, ok. Mais ensuite, encore un peu. Puis, tu sais, il faut pas oublier la mayo, c'est très important, ok. Donc, faut vraiment pas cheap out sur la mayo, ok. Parce que vous savez, des fois, quand vous croquez dans des sandwichs et tout, tu vois, il manque un peu de sauce, tu vois, c'est pas cool. Tu vois, on paye pour nos sandwichs et tout, on veut que ça soit pas sèche, tu vois, nous, on veut que ça soit bien, bien mouillé. Donc, vous allez rajouter un peu de mayo, ok. Il faut pas trop être cheap sur la mayo, ok. Soyez pas radin. Voilà, donc ça c'est mon fucking chef d'œuvre là, on a mon boy là, il va goûter ça. Il commence à 29%, bro. Yo, ok, yo, il faut se rappeler, ok, dans la vie il y aura toujours des haters, ok, quand vous allez essayer de faire des affaires, ok. Donc ce gars là c'est une petite pute, ok, parce qu'il aime pas mes sandwichs, parce que il est raciste. Yo les gars, maintenant que j'y pense, ok, quand on y pense vraiment, que les burgers c'est un peu outdated, tu vois, c'est vieux, c'est... Il y a plus personne qui mange des burgers. Non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir un restaurant de pizza, bro, ça c'est le on va ouvrir un Domino's Pizza, okay, ça c'est le jeu vidéo Domino's Pizza. Pizza. Ok, so, je vais vous expliquer l'histoire du jeu. So, en fait, il y a Dieu, il a décidé, il va lancer les ingrédients par le ciel et toi tu dois les attraper pour prouver que tu es un bon musulman et que tu vas à la mosquée. C'est un très bon jeu. Ok, c'est bon, et on va retourner sur League. Bon, on va redeem les bad bitches là, c'est bon.